Mais moi, moi qui t'attend moi. Et m'a dérapé là, on t'attend pour mon rap monter pour nous dire si nous t'attend d'abord. Parce qu'il y a des gros problèmes. Parce que t'en aime là Philippe. Allez voir sous t'en aime non. Nous t'en aime moi, mais dérapé là. Nous t'en aime moi, pas dérapé par avant, il y a me fait erreur. Moi, dérapé sans pas m'en dire rien, et puis voilà que nous pas quatre ans de moi, nous sommes obligés de déranger tout ça, nous sommes capables de faire. Entendez? Sous temps de moi, ou dit moi oui, yes, ok, comme on dit, yes, ok, d'accord. Eh bien, ok, bonjour, bonsoir, quel que soit l'obtention du programme, ça, je suis content. Et je suis content de retourner, faire un petit parler avec nous encore. Hier, nous avons fait un petit parler, mais la conversation a été dérangée dans la mi-temps route. Pour des raisons techniques, parce que en principe, les gens qui ont des débats que je n'ai pas gagné pour que je sois capable de communiquer avec nous plus bien, et puis bon. Et ça, son autre appareil, les gens sont plus facile. Ok, nous pouvons aller là, nous avons dérapé pour nous dire que l'actualité a censé abdominer avec navette diplomatique que le secrétaire d'État américain a fait dans le Moyen-Orient sous dossier conflit Hamas. Israël là, eh bien, c'est l'État là, il y en a en Arabie Saoudite, là, il y en a en Qatar, là, il y en a en Égypte. Quand on rencontre avec les dirigeants, avec effort, justement, pour essayer de faire un cessez-le-feu sous bataille, là, sous conflit. Là. Et puis, tout, ouais, dans quelle mesure, capable d'augmenter l'assistance par les civils palestiniens. Mais ça m'a empêché qu'entre-temps, l'armée Israël là continue à bombarder et territoire, par exemple, dans Khan Younis, qui est dans le sud, et territoire Gaza, et bien, M. Israël a annoncé qu'il y a plusieurs mortiers de bois, et bien, il y a plusieurs douzaines de militants qui ont mouru, mais nous n'avons pas une photo, une image, ça y est, sur militants qui ont mouru, nous n'avons pas une image, nous n'avons pas une photo, une image. Bien, tout, ensuite, après, le secrétaire d'État a fini de visiter l'Arabie Saoudite, je dis, il était dans. Et en Égypte, quand j'ai rencontré avec le président égyptien El-Sisi, et puis il a rencontré avec Emir et Katalatou, et qu'on a parlé en Israël pour la justement rencontrer avec le responsable israélien, le premier ministre, Benjamin Netanyahu, justement pour discuter sur la question qui est pour être avec le conflit qui est pour l'après-guerre, c'est-à-dire qui est le territoire gazapralier après-guerre là. On guerre parce que Israël dit pour lui-même après guerre pas guerre Hamas encore lui-même donc il veut pas l'étendre affaire de Hamas là pas du tout et mais Israël et États-Unis lui-même voulaient insister pour guerre deux États qui côte à côte avec un État palestinien avec un État israélien donc c'est gros conflit en fait son bail existe depuis longtemps et c'était toujours position États-Unis sur conflit sur dossier là dans l'autre nouvelle et nous capables de parler de ici aux États-Unis donc un congrès en au Sénat fait que là une proposition dans la rue côté aujourd'hui une solution éventuellement proposition pour justement qui peut résoudre le problème de sécurité sur frontière une proposition tout qui bail gouvernement et président américain et doit pour le faire une frontière à 6 au cas quand c'est des monde qui est arrivé sur frontière illégalement non je t'ai mettre mes sous 5000 monde pour frontière ta fermé. Même map dit nous, dans même article ça, il y a une possibilité, et si chiffre, quand c'est mon cabinet demandé asile sur frontière illégalement, cabinet sur frontière illégalement, tu arrives à 2000, le frontière a toujours continué à faire. C'est-à-dire, ou même qui, l'autre bois au Mexique, ou capable toujours de gagner espoir, pas décourager. Simplement, demander, faire demande, faire une demande pour venir demander asile sur frontière. Et dans la même position, ça, si l'on fait demande, on demande au parking B. Maintenant, les États-Unis ont un choix pour ou bien refouler au Mexique, ou bien des tout camps, ils vont retourner dans le pays. On connaît, puis nous ne pas retourner, nous ne pas retourner là, quand même. Et ça qui dit qu'on a. Maintenant, l'autre grand point, c'est mais il pas semblé que c'est tout les sénateurs qui sont d'accord. Parce que le projet, la proposition, ça a lié pour le président, pour le soumettre devant l'Assemblée, sénateur pour voter, mais il ne pas semblé que M. Trump doit chauffer pour lui. Déjà, la Chambre des députés a que les républicains ont contrôlé, eux-mêmes, ils disent, bon, ils n'ont pas dans le bagage comme ça, eux-mêmes, ils n'ont pas là-dedans, ils mourent depuis au départ, avant même d'arriver devant. Et puis, je dis à tout, on a parlé d'élections aux États-Unis, d'élections primaires. L'élection primaire là, c'est dans Nevada,
l'État de Nevada. Côté président Biden, président sortant, et l'Assemblée a remporté l'élection première. Ça parce qu'il y a deux candidats devant, qui c'est Madame Marianne, qui sont écrivains, et puis il y a député Minnesota et Dean Phillips. Il n'y a pas vraiment pesé loup devant le président Joe Biden. Donc ça veut dire que grand pitié que le président Joe Biden a remporté l'élection. Ça. Mais non, même l'État Nevada, tout gagne l'élection primaire. Tout. Et l'État Nevada, c'est peut-être une parmi les États qui gagne deux, les deux, qui gagne primaire, qui gagne caucus. Mais caucus, là, primaire, là, les républicains pas tellement intéressés là-dedans. Et donc, ça veut dire que Nikki Haley, qui c'est leur candidat qui a cherché une nomination pour le Parti républicain, est capable d'emporter l'élection primaire dans le domaine de ça. Parce que le président Trump lui-même, il désistait et il dit qu'il préférait et participer dans le caucus, plutôt le caucus a déroulé jeudi, qui va à 8 février. Donc, c'est là que ça est lui-même. Donc, c'est l'élection ça qui est là. Puis après l'élection ça là, la semaine prochaine, nous parlons de l'autre élection encore primaire. Mais les républicains, il n'y a pas organisé l'élection primaire par eux dans Caroline du Sud le 24 février. 24 février, et dans Caroline du Sud, c'est là que Mme Nikki Haley était gouverneur. Et ça fait longtemps que le gouverneur là, donc lui-même, c'est la base, en fait, un peu de monde souhaitait que le pape ait l'élection ça, parce que s'il perd l'élection ça, c'est capable, F-I-F-I-N-I-N-I pour lui, parce que c'est la base. Puis que lui-même dit que l'élection fait commencer, donc il va décourager, mais il dit que peut-être que l'autre objectif, il va être dans l'autre d'accord. Et puis, dans le tribunal d'appel, tout qui dit président Joe, président, ancien président Donald Trump, pas gain immunité présidentielle. Ça veut dire qu'il va toujours poursuivre en justice pour action. Il était commettre pour aller à reprocher de temps, surtout sur ce qui s'est passé le 6 janvier 2021. Nous appelons les foules, le monde qui était identifié comme supporter, qui a attaqué le Capitole là, et bien nous connaissons des autres qui ont gagné. Et jusqu'à présent, l'autorité a arrêté le monde qui a participé dans le dossier-ci là. Donc, le dossier frontière là, il est toujours là. Il est toujours là. Et en fait, l'ancien président a demandé aux sénateurs républicains, aux députés républicains, de ne pas voter aucun loi sur la frontière qu'on a gagné pour qu'on a, parce qu'il y a une année électorale. Donc, toute bonne loi est à voter qu'on a, c'est seulement pour favoriser le candidat parti démocrate, on a parlé de président sortant, Joe Biden, qui c'est most likely, ou bien qui c'est. Il y a en pile possibilité, c'est lui-même qui a représenté le Parti démocrate dans l'élection présidentielle novembre 2024. Et tremble tout, j'entends dans sa prêle à tout, si tout va respecter, et ancien président de l'Ato, capable tout lui-même tout, représenter le Parti républicain dans l'élection présidentielle 2024. Ça que Nikki Haley dit, et il voulait pour la jeunesse une chance pour que en tout cas. L'autre bail encore, l'autre point sensible de l'actualité, c'est nous avons en Haïti, oui. Bon, c'est le camp qui a fait actuellement contre le premier ministre Ariel Henry, qui est censé en ballant. Ballant et laisser le camp un peu partout. Sur l'idée aidée à l'appareil de Dr. Claude Joseph. Et en fait, il y a tout le monde levé le bouclier contre pour demander le premier ministre Ariel Henry pour lui lâcher Mayocli, remettre Cléa. À partir du 7 février. Le 7 février, parce que justement, il y a référé avec ça qui est passé dans l'accord que le signé, l'accord 21 décembre. Non. Et l'accord, ça a été bien dit, clair, noir sur blanc, il a dit que la passé pouvoir, un président élu en 7 février 2024. Mais il trouvait dans le temps, pas jamais gagné ni un président élu, pas jamais gagné élection, donc pas gagné. Et quand il a dit, M. Fouquet, il parle, il passe et remettre pouvoir, Bayou, il a dégagé, et lui-même, il a dégagé. De ce qu'il y a tout, de ce qu'il y a toujours là, parce que, en principe, il y a un travail qui a fait qu'il y a là, et pour que Kenya ait un accord de réciprocité avec Haïti, ça veut dire qu'il faut qu'Haïti fasse un accord, on demande un accord de réciprocité pour qu'il soit capable de déployer. Unité police nationale la Kailia en Haïti. Et d'abord, ça veut dire que la réciprocité n'a pas dit que Haïti est obligé de voir
et pour l'histoire du Kenya, parce que Kenya, si qui n'a pas fait de demande là, Haïti pas besoin de la police. Mais quand Haïti fait de demande là, Kenya doit avoir la police tout à l'aider la police nationale. Donc c'est vraiment une force multinationale pour l'aider. Donc, mais bon, alors qu'est-ce qui pose, si Haïti font demande, il faut que le président Kenya aille devant le tribunal, devant le Parlement avec elle, qui a approuvé, mais son accord qui t'a de tout en Haïti, Parlement haïtien t'a de approuvé tout. Mais il trouvait que par un Parlement. Nous n'avons pas une chambre de députés, nous n'avons pas rien. Donc, qui est-ce qui peut l'approuver? Est-ce que, par exemple, le cabinet ministériel est éventuellement capable de faire travailler ça? C'est la grande question que l'expert a parlé de lui, mais pas une réponse qui est vraiment claire. Mais nous avons des circonstances spéciales, car ça a vendu tout, solution spéciale. Donc, manifestation tout déroulée, hier, il y a une manifestation, en fait, en pile barbier. La police crase manifestation ou les manifestations avec gaz lacrymogène, gaz sont courus. Parmi le docteur Claude Joseph prend gaz lacrymogène. Gento, leader petit de Saline, ancien sénateur Maurice Jean-Charles, monsieur prend gaz lacrymogène, monsieur dit que ça va problème parle. Et bien, c'est le VA a fait commencer et jusqu'à ce que, pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il y ait mettre d'eau ou bien forcer pour Michel Henry qui remet le pouvoir. On n'est pas dit jusqu'à présent, mais je dis encore qu'on a une manifestation dans la ville provinciale, c'est même bas là toujours. Manifestation un petit peu, que ce soit du côté de Jérémy, des cas côté de monde qui mourent dans Jérémy. Donc, et quand il y a cette question, il dit dans le pont, qui est les portes, qui doit quitter Jérémy, le pont au bac. On pense que l'ancien président, défunt président du Marseille Estime était construit. Mais il dit que nous mettons barrière là-dedans, il y a soudain barrière là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie là-dedans. Et il y a l'autre côté qui ferme barrière. Dans le cas et tout, c'est manifestation tout. L'école pas fermée, l'école pas l'ouvrir. Et il y a un peu d'inquiétude. Donc, bien que grand pile monde qui dit que si mon école pas ta doit pire conséquence ça va passer parce que l'avenir c'est eux-mêmes et l'avenir c'est eux. Donc là qui tout traumatise ça, ça va créer un problème si mon le plus grand et même pas un timon peut pas avoir l'école etc. Il y a qui capable ça qui a les moyens de fonctionner en ligne. En ligne donc ça veut dire que en ligne il faut qu'il y ait courant, il faut qu'il y ait internet et tout ça. Mais il y a l'école qui dit eux-mêmes à fonctionner en ligne eux-mêmes jusqu'à présent. Donc, c'est la situation, et donc un peu partout, que ce soit dans le plateau central, et dans la zone Hench, dans Wanamed, dans le groupe Bessap, Bessap, là, nous avons qui a mis, qui a même tout, et l'assemblée bonnet, qui a viré contre le pouvoir, et qui a mis en main, et bien, ça, seulement nous était absurde. Mais, je t'ai dit que 7 février, c'est une date fatidique, c'est la date que le premier ministre a été adoré mettre le pouvoir, en plus, mon abtan supporte le pouvoir. Même, je dis que 7 février n'a pas fait rien pour eux, son date, tout comme toute l'autre date qui est dans le pays. Donc, ça veut dire que rien n'est pas privé, donc seulement, en date février, l'a passé, donc on l'aide à la poste. c'est ça, ça y est, là, c'est comme ça y est, donc. N'a pas continué pour suivre le dossier ça pour vous, et suivre le dossier ça pour nous connaître. Et il parle un peu de Guy Philippe, mais bon, je ne sais pas si je suis en train de dire que je ne sais pas si je moi, c'est seulement, moi-même, avec nous, je suis peut-être que j'ai attention beaucoup plus particulière pour nous, par rapport à nous-mêmes, parce que moi-même, j'ai accès à certaines informations, j'ai des choses que je connais, que je ne peux pas partager, par exemple, qu'on ait un type d'information, mais ça permet que moi-même de modifier, non? Mais ce sont des choses qu'on n'a pas compris, ça va. Personne ne va pas prédire ce qui va passer, excepté les dirigeants, excepté le Premier ministre, avec leur consort et qui connaît qui ça peut faire. Est-ce que les gens d'opposition ont campé là, qu'on y a là? Mais ce n'est pas pour faire l'opposition à campé contre face à pouvoir là. Et parce que l'opposition lui-même tout, il est divisé, il y a plusieurs groupes qui forment, plusieurs alliances qui forment. Donc c'est pour montrer qu'il n'y a pas un fond vraiment uni. Même là, tout a cherché un seul objectif, mais il n'y a pas un fond uni. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uni pour une seule opposition, pour une seule voix. Tout le monde voulait vedette, tout le monde voulait, et il n'y a pas un crédit pour son bail passé. Donc ça qui faiblit tout là. Et là, divisé en plusieurs branches, ça faiblit. C'est-à-dire que si tu fais un seul bloc, peut-être qu'il n'y a qu'à marcher, il n'y a qu'à l'autre bail. Et puis, bon, entre-temps, il y a un carnaval.
Jacques Monsieur fait carnaval là dimanche, en plus le monde content, il était pas bravo, mais seulement il dit que carnaval n'a pas réussi parce que pas de gars, c'est le monde qui peut venir là dans les surtout nous ne comptons pas le prince bloqué par rapport à votre national numéro 2 à que le monde bloqué, donc le monde pas venir dans le carnaval. Mais pour le prince a préparé le carnaval, c'est la semaine prochaine, et semaine ça même, et dimanche là, il y a un carnaval tout. Donc, et le carnaval, tension Jean Bissé, même si Bissé vient de la fête sous pouvoir. Mais Bissé Bissé, peut-être après carnaval encore, les fait qu'après qu'à continuer. En tout cas, nous avons suivi le 7 février, ça a bien la donné. Mais encore, la pique qui est tombée hier soir, encore, c'est un soulagement parce que la barricade qui était dans la rue, Washington, la guerre à droite, à gauche, oui, et le caoutchouc qui a commencé à bouler, bon, la pluie a tombé, calmé Bayo. Donc, est-ce que Bayo reprend encore? Oui. Et d'après ça, les médias ont rapporté, et toujours bien. Et puis, mauvaise nouvelle pour la sélection nationale féminine noire. Et U17 féminin, mesdames, il y a une équipe qui freine. Donc, Mexique, pensez, mesdames, avec 4 goals, 0. Donc, Haïti toujours qualifié pour ce final dans le groupe LIA. Je vais dire ce qui va passer là. Dans le groupe B, il y a les États-Unis et le Canada. Deux équipes sont qualifiées tout pour ce final. Je vous dis à la rencontre pour justement déterminer qui est parmi eux deux. Cap est premier. Je dis à la rencontre pour connaître qui est parmi eux deux. Cap premier. Ok. Haïti qui deuxième rencontre pour l'équipe qui est premier dans le groupe B. Si c'est les États-Unis, avec ces deux équipes, c'est deux équipes seulement qui gagnent. Par la troisième place, Haïti a toujours. Haïti a deux matchs là. Il va jouer sur le final là. Maintenant que la vue sur le final là, après ça, pas joué de classement. Mais de garçon, c'est pour déterminer la troisième place là. Par contre, le calendrier net. Mais en principe, Dominicaine déjà qualifié d'office déjà dans la compétition. Donc Haïti, si c'est devant les États-Unis, Haïti tombé, j'aime les États-Unis appuyer là. Pour l'équipe était déjà avec le balle 13-0. Après ça, l'autre équipe jeune n'a pas trop la victoire. Tout le monde s'est battu long, gros en pile. Donc, Haïti, est-ce que Haïti est capable de gagner contre les États-Unis? Oui, ballon pour tout le monde. Si Haïti rencontre le Canada, peut-être Haïti est capable de faire une différence. Mais Haïti peut éliminer net. Parce que pour Haïti qualifier pour la phase finale, là, il faut que Haïti cale l'équipe la plus avec en semi-finale. Parce que c'est deux premiers finalistes. Il y a mieux qualifié automatiquement pour tout le monde. Donc, nous comprenons que ça ne peut pas passer, mais c'est bien malheureux parce que nous sommes une bonne équipe. Que nous espérons que les responsables sont Kembe, U17, l'équipe s'est montée en junior, Kembe toujours, U18, montée en junior avec elle. Et puis après ça, ils sont capables de commencer, mesdames, ils sont commencer à intégrer la sélection nationale senior. Là. Nous avons plus de jeunes qui sont là. Qui peut aller très bientôt et qui prend un rythme a fini, a descendu. Donc, il faut qu'il y ait un talent qui peut, dans la semaine, capable de dire l'équipe U17 là, c'est vraiment un espoir pour le football et la sélection féminine haïtienne, on n'a pas eu de sélection senior là. Donc, il y a un peu de mesdames dans la sélection senior qui peut jouer là, par exemple, on a besoin de la sélection senior qui peut jouer là le. Nous sommes qui date le 17 février. Ça sont à deux barrages, je vois jouer avec Porto Rico, qui va avoir toute chance de se qualifier, mais bah, elle va marcher mal. Haïti est habitué avec ma deux barrages déjà, il est arrivé là, aller dans ma deux barrages pour éliminer éliminé Chili. Eh bien, ça peut dire nous qu'il y a ça qui va se passer. Quand il y a là, il va aller dans ma deux barrages encore contre Porto Rico, et le match de Porto Rico, Porto Rico n'a pas bien fait cadeau non plus tout. Et nous espérons que Haïti n'a pas fait cadeau non plus tout. Donc, voilà. Mais là, je dis à la, ça me pour toujours. Je dis à mon journal, nous avons plus de monde. Nous commençons à avoir des journalistes chez vous. Je m'accueille à bord et Luxon Saint-Ville, qui est dans Miami, n'a pas accueilli tout Pierre-René Rouiné, qui est dans Floride. Et Pierre-René Rouiné, puis je suis dans Fort Lauderdale. Donc ça veut dire que. Je vais mettre mon abord, 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 il y a d'autres monde qui là, qui a fait pour te coller là. Donc, on a renforcé nous de temps en temps et on a porté une nouvelle barre, une nouvelle barre, j'en ai là et il faut qu'on ait plus de barres qui passent dans le monde. Nous, actuellement, nous plus dans la télévision,
Non, radio tout, mais non plus dans la télévision qu'on a avancé dans le domaine de ça. Eh bien, mes amis, je suis bien content de faire un petit peu de cause avec nous aujourd'hui. Ça fait un peu de plaisir que nous sommes là. Et je retourne sur le dossier immigration, mes amis. Si vous avez un rendez-vous immigration, allez dans le rendez-vous. Si vous avez un rendez-vous, pas venir sans pas avoir un rendez-vous. Prends rendez-vous, venez et prends patience tout. Il y a des gens qui ont demandé une question pour les groupes immigrants haïtiens qui étaient dans Boston, qui ont dormi dans l'aéroport Boston. Moins que tant d'elle, moins well sous réseau, même pas assez d'éléments d'information pour me parler de exactement de groupe où ça s'est passé exactement. Mais pas dans l'aéroport encore. C'est ça que je connais que l'autorité prend des dispositions, je retire yo et. Mais. Je suis là. Passez bon après-midi, mes amis, à demain. Et puis, à tout l'autre bail qui vient. Okay. Bye-bye.